Voilà, mesdames et messieurs, nous avons vécu deux sessions assez extraordinaires. L'une hier qui plaçait le cadre institutionnel international et national suisse par rapport à l'open access. Et ce matin, une session vraiment inspirante et qui me donne personnellement beaucoup d'espoir sur ce que l'on peut faire en mettant en place vraiment un, un dépôt institutionnel actif et très visible à l'international. Je que C'était presque exaltant, je dirais, de voir le succès de, de l'Université de Liège à ce propos. Donc le décor est planté. Et puis euh, on voit bien que l'open access a, a un intérêt institutionnel. Donc pour une université comme l'Université de Lausanne, c'est assez évident. Euh, Monsieur Rentier l'a dit ce matin, notamment. Alors c'est un outil de gouvernance. C'est sûr que quand on pilote une institution, on aime bien ne pas aller dans le brouillard puis savoir un peu qui fait quoi. Sans que ce soit un regard d'ailleurs de police ou de contrôle, de performance, c'est pas du tout l'idée, mais de savoir un peu ce que font les chercheurs et comment ils sont ils sont reconnus et quelque chose de très important au niveau de gouvernance. Et puis évidemment. Euh, une plateforme qui fonctionne bien à cet égard, c'est aussi euh, un gage de visibilité internationale qui est évidemment critique également pour nous autres euh, acteurs institutionnels vis-à-vis -vis, euh, d'une part nos bailleurs de fonds, hein, l'État, et puis euh, à l'international et pour aussi le, notre reconnaissance et puis notre crédit et puis évidemment notre attractivité par rapport à des chercheurs qu'on aimerait voir recruter chez nous, notamment. Alors ça, c'est l'aspect institutionnel. Et puis on a vu ce matin, de manière très très claire avec, euh, avec nos collègues de Liège, que l'open access a un très grand intérêt pour les chercheurs, ce dont ils ne sont pas forcément conscients. En tout cas, personnellement, je n'étais pas conscient euh, autant euh, à 8h qu'à 10h ce matin. Euh, et, et on voit bien que l'intérêt principal, finalement, il n'est pas institutionnel, il est pour les chercheurs véritablement. Mais on a vu également, et ça c'était très intéressant, que dans la table ronde qu'on qu a eue ici, la sensibilité des chercheurs est très variée, elle est éminemment disciplinaire, et même au sein des disciplines, elle, elle est aussi dépendante, je dirais, de la sensibilité propre des personnes à s'exposer en public ou pas, finalement. Et on voit que si on veut répondre aux attentes voire même aux interrogations, aux angoisses de certains chercheurs, il va falloir tenir compte de leur avis, de leur sensibilité disciplinaire. Et, et ça, c'est absolument fondamental. Pour moi, c'est vraiment apparu euh, lorsque se sont exprimées les différentes personnes ici. On a une hétérogénéité à cet égard qui est considérable. Et si on veut euh, adopter une stratégie gagnante à l'Université de Lausanne, il va falloir partir de la base des chercheurs, de leurs attentes disciplinaires, pour monter quelque chose ensemble qui sera qui sera varié et qui sera pas une solution unique, je pense, de la mise en œuvre. C'est à mon avis la seule garantie qu'on peut avoir. c'est un c'est un une condition nécessaire pour pour arriver à nos fins. Alors. Finalement, cette euh, stratégie open access s'inscrit parfaitement dans les valeurs de l'Université de Lausanne. Ici, euh, je, on a juste extrait un petit élément de la charte de l'UNIL. Hein. C'est vraiment le, les, les éléments fond, les fondamentaux de, de notre université. L'UNIL considère les savoirs comme un bien public. C'est euh, vous et moi, euh, contribuables, qui payons l'Université de Lausanne. Elle entend les mettre à disposition de la société en général. Pour aborder dans toute leur complexité les grands enjeux de notre temps. Ça n'a pas été écrit pour cette, euh, pour cette conférence aujourd'hui, mais on voit qu'on s'inscrit parfaitement euh, dans cette optique-là, dans cette philosophie. Et puis, on l'a vu hier, Swiss Universities, qui regroupe toutes les hautes écoles, euh, donc 34 partenaires en Suisse, euh, on l'a vu à, à décider que toutes les publications financées par les pouvoirs publics devraient être ou devront être en libre accès en 2024. Et on a vu la feuille de route de Swiss Universities hier après-midi. Alors, notre vision dans ce contexte-là, c'est de, de, disons, d'évoluer de, vers l'ouverture à l'international euh, avec un système de publication qui, qui permet, qui promeut un flux continu et transparent de connaissances, un flux, si ce n'est instantané, du moins rapide, comme on l'a vu ce matin, c'est un critère important, et au sein déjà de notre milieu universitaire, et bien sûr au-delà de l'université. Et là, je rappelle quelque chose qui a été dit euh, par M. Albertin hier après-midi et que je trouve absolument fondamental. Il, il a vraiment pris de la distance, et c'est un regard croisé sur ce qui s'est dit par ailleurs. L'open access, ce n'est pas une fin en soi. On ne va pas travailler. Euh, au succès de l'open access percé, en définitive. Mais c'est simplement un moyen, un moyen d'arriver à un système vraiment ouvert et qui facilite le progrès de la recherche et bénéficie à la société dans son ensemble. Donc vous l'avez compris, ça va être euh, finalement un outil parmi d'autres qu'on va utiliser dans ce sens-là. Alors, ce que l'on veut faire, euh, évidemment, c'est euh, rassembler tout le monde pour euh, appliquer cette stratégie. Et ça a commencé déjà. En fait, on a reçu de Swiss Universities le 1er septembre dernier une demande de consultation de leur plan d'action, de leur ébauche de plan d'action. Et on a fait une consultation assez large à l'interne de l'Université la, de, de Lausanne. Vous avez ici les, les principales personnes qui ont été contactées ou qui ont relayé les opinions, les sentiments d'autres chercheurs de l'UNIL. Et c'est grâce à, à ces avis-là, ces retours, on a euh, fait une réponse très documentée à Swiss Universities et assez critique. Donc on salue évidemment l'initiative de mettre sur pied une feuille de route qui vise au 100% d'open access en 2024. Mais il y a la manière. Et la manière nous a paru un petit peu inquiétante à certains égards. Et, et, et en fait, on l'a vu hier après-midi. Hein, euh, L'approche de Sficion Cities est une approche assez fédérale, un peu top-down. Donc, on, on prend des mesures, on définit une feuille de route, puis on l'applique dans les institutions. Et euh, ça nous inquiète un peu parce que cette vision un peu gémoniste ne va précisément pas tenir compte des aspects et des sensibilités disciplinaires. On, on l'a vu ce matin, c'est crucial à nos yeux. Donc, on l'a fait remarquer. Et donc. On doit, on d'une doit, manière ou d'une autre, consulter les chercheurs. Je ne dis pas que ce sera facile au niveau suisse, mais ça nous paraît être une condition absolue que de consulter finalement les clients, quelque part, et les bénéficiaires potentiels, euh, et donc procéder par échange, par dialogue, et tenir compte précisément de leur euh, appartenance disciplinaire. Et donc, finalement, c'est ça. Hein, on veut. Euh, suisse Universis devrait, disons, investir beaucoup en termes de communication, en termes de consultation pour pouvoir obtenir l'adhésion des chercheurs et pas que les, finalement les directions, les rectorats doivent le faire parce que s'il n'y a pas de travail dans les, dans les communautés au sein des institutions, on n'aura pas l'adhésion souhaitée on pense. Alors qu'est-ce qu'on va faire Bon s'est posé la question depuis quelques mois connaissant déjà le contexte qu'on qu a découvert ces deux jours. Alors, je fais un tout petit rappel historique pour ceux qui ne, qui ne sont pas à l'Université de Lausanne depuis longtemps. Euh, alors, comme je l'ai dit hier, l'Université de Lausanne n'a pas attendu aujourd'hui pour euh, ouvrir euh, une archive, enfin, un, un dépôt institutionnel qui s'appelle Serval, donc serveur, euh, de, serveur académique lausannois. Et il était déjà pensé et lancé en 2006 par Mme Jeannette Frey, qui est ici présente et qui est intervenu hier après-midi. Et puis, euh, le, le système et l'interface ont été lancés en 2009. Donc, on voit, ça fait déjà huit ans déjà. Et puis, par la suite, on a bien réalisé qu'il fallait mettre dans les facultés des personnes qui soient familières de Serval, de ce serveur institutionnel, d'une part pour en faire la publicité auprès des chercheurs, d'autre part pour les aider à documenter le serveur académique avec leurs notices. Il faut dire que... Dans ma perception de cerval, euh, on était un peu dans une logique d'inscrire des notices, comme on fait une bibliographie, hein, voilà, telle est, telle, telle année, etc. Point final. On n'était pas d'emblée, encore une fois, là, là, je prends ma casquette de, vraiment de chercheur comme je l'étais, j'avais pas la perception qu'on pouvait utiliser cerval pour déposer plein de documents. Bien sûr, les full texts, soit parce qu'on a le droit de les mettre, euh, soit on prend un post-print. Mais on peut aussi mettre, euh, je ne sais pas, un discours qui aurait été fait, une notice d'exposition, un, un rapport de terrain pour ceux qui font du terrain, euh, des posters de conférences. On peut mettre euh, des cours, des structures de cours. Il n'y a pas que Moodle. Hein. Et. et et en fait, ça ouvre des perspectives extraordinaires à tout chercheur de mettre sa science qui n'est pas forcément peer-review, qui n'est pas forcément acceptable dans une revue d'un niveau international, mais qui peut documenter ce qu'il fait grâce à ce serveur-là. Pour moi, ce n'était pas du tout évident. Alors, il y a une... Alors Serval a souffert de... un peu de... Comment dirais-je, de, de problème de jeunesse, il a été mis en place, encore une fois, ça c'est ma perspective personnelle, euh, de manière compatible avec un système bibliothécaire, qui soit en ligne avec les exigences d'un ou d'une bibliothécaire, notamment dans la syntaxe, dans, le, dans ce qui est renseigné, alors que peut-être qu'on aurait pu imaginer un système simplifié où on met les choses essentielles pour juste dire Hey, euh, j'ai publié ça et puis l'article est là. Évidemment, c'est ça dont on a besoin, me semble-t-il. Et la même chose aussi, si je me remets en 2009, à l'époque, euh, bah je, faisais, je faisais de l'enseignement et de la recherche, comme tout le monde. Je n'étais pas le meilleur des citoyens en termes institutionnels. Donc, je ne faisais pas forcément ce que la direction préconisait de faire. En fait, je n'ai aucun souvenir de Serval. <laughs> Rien. Je n'ai pas souvenir que quelqu'un de ma faculté soit venu à ma porte de bureau, hey, euh, tu as vu l'outil, je te montre, euh, Tu as vu les avantages, rien. Même si la personne n'était pas venue dans mon bureau, j'ai aucun souvenir que mon institut ait fait venir quelqu'un qui connaissait Serval pour nous dire tous les avantages de Serval, et pas même au niveau de ma faculté. Je jette la pierre à personne, c'est peut-être moi qui n'étais pas un très bon citoyen, je sais que je n'étais pas un très bon citoyen au niveau euh, des procédures administratives, j'ai un peu évolué depuis. Et je pense que Serval n'a pas été soutenu, sans vouloir critiquer, je, je fais un constat, c'est que Serval n'a pas été promu institutionnellement par les, par, par le, au niveau le plus élevé comme étant une priorité institutionnelle. Et du coup, on n'a pas mis en place tout le soutien, la promotion active et enthousiaste qui devait accompagner euh, la mise en place de cet outil. En d'autres termes, c'était peut-être parce qu'on était là avant l'heure, avant la prise de conscience de l'open access que l'on connaît maintenant, mais j ai, j ai, on, on a quelque part un petit peu raté le coche, ou alors on n'avait pas la perception qu'on a maintenant de l'utilisation de l'outil, ce qui est possible. On a une mise à jour Serval l'année dernière qui a réglé toute une série de problèmes euh, d'interface pour qu'elles deviennent beaucoup plus euh, accessibles parce qu'il y avait quand même pas mal de, de critiques de, de scientifiques de chercheurs. Oh la critique est facile, hein. Il suffit de pas avoir envie de faire ça. Et puis on dit que ça marche pas, que c'est compliqué, que c'est pas friendly, voilà. Alors j'ai essayé deux fois puis après je ne me mets plus mal non, parce que voilà, ça suffit. Donc euh, on réalise qu'on doit tendre vers un système où le chercheur est d'accord de consacrer les 3 minutes, s'il est jeune, on en a vu ce matin, les 10 minutes, s'il est vieux comme moi, euh, pour documenter Cerval. Il faut qu'on arrive à, il faut qu arrive à, ce, à cet objectif-là. Et puis, il bah, y a des facultés qui ont été un peu plus impatientes que d'autres, plus proactives, je dirais. Et c'est le cas de la FBM, que je salue ici, qui en 2015 a dit, bon... Il faut qu'on accompagne les chercheurs comme on aurait peut-être dû le faire dès le départ. Mais la FBM a pris conscience, il y a toute cette biomédicale, il y a une compétition très importante, il y a aussi une tradition peut-être à l'égard de l'open access qui est plus développée. Et ils ont nommé Madame Cécile Lebrun qui va intervenir juste après moi et qui a fait un travail titanesque. Mais de porte à porte, elle vous le dira peut-être, quand, quand es, chaque chercheur, hey, il faut", et puis voilà, on le fait ensemble, etc. Alors, c'est peut-être un service qu'on ne va pas assurer dans l'avenir parce que c'est un peu du luxe, mais alors, les résultats sont absolument spectaculaires à cet égard. Et ça a été vraiment pour nous, à la direction aussi, euh, une manière de se dire bon, ça peut se faire, ça a été fait à la FBM, euh, qui est une faculté peut-être plus facile à quelques égards parce qu'on parle de biologie notamment, mais difficile également parce que c'est une très grande faculté et très diversifiée. Donc, on, ça peut marcher, ça peut réussir, même à l'unil. Alors, oh ça ne marche pas. Mon... <laughs> voilà. Donc, euh, l'état actuel maintenant, en fait, de, de notre serveur académique, pour vous donner un ordre de grandeur, euh, en ce qui concerne la voie verte, c'est-à-dire le dépôt de full text qui n'est pas formaté selon l'éditeur, mais qui correspond à un manuscrit, vous voyez, ça, c'est des statistiques de la semaine dernière, l'université et l'hôpital universitaire. Donc, on a 127 000 notices. Et vous voyez un peu comment elles se, elles se ventilent dans les différentes catégories. En bleu, vous avez celles qui sont associées à, une, à un texte intégral, à un full texte. Et si on prend juste les deux premières catégories, ça représente 13 des notices. Donc, vous voyez, comme je le disais hier en préambule, on a une marge de progression par rapport au dépôt des notices, qu'elles soient ouvertes ou pas. est -ce, que, ce qui est très intéressant de ce que j'ai entendu ce matin euh, euh, de, de, de nos amis belges, c'est que, en fait, même si la notice ne sera jamais publique, c'est important euh, pas la notice, si le full text n'est jamais public, c'est important qu'il soit dans notre dépôt institutionnel. c'est une production de vous, mesdames et messieurs les chercheurs. vous avez été payés par... Euh, par de l'argent public, il est essentiel qu'on en ait une trace de votre production, même si elle sera limitée à la communauté interne, en fait. Donc, on devrait pouvoir, euh, sans faire la distinction de ce qui sera ouvert à l'international ou ouvert seulement au niveau de la communauté, euh, pouvoir augmenter ce chiffre significativement, et c'est notre objectif. La voie dorée, maintenant, qui est plus récente, et qui consiste à payer immédiatement comme auteur... Euh, les frais d'édition et de mise en ligne, une fois pour toutes. L'accès est ensuite gratuit pour les utilisateurs. Vous voyez, ça, c'est sorti de Web of Science, donc on sait que les sciences humaines et sociales sont peu représentées, donc probablement qu'on n'est pas tout à fait dans la réalité, mais ça vous donne un ordre d'idée entre 2010 et 2016. Bon, on voit que le nombre d'articles augmente, et puis on a une progression lente, mais une progression quand même euh, visible. De l'open access par voie dorée. Bon, on a vu que nos collègues belges ne sont pas forcément très favorables à cette, euh, à cette manière de faire, c'est-à-dire payer pour être, euh, pour être mis en ligne. On peut en discuter, sachant qu'un modèle plus idéal serait qu'on ait des serveurs ou des éditeurs qui soient liés au service public et puis qui ne facturent pas des frais euh, supérieurs à juste euh, les frais nécessaires pour faire tourner la structure. Alors, si on fait un, état, un diagnostic un peu des forces et faiblesses de l'état actuel, la situation d'Open Access à Lausanne, bon, les forces, je pense qu'on a, je peux vous le dire, une volonté politique d'aller de l'avant vers l'Open Science. Euh, on y travaille, on a nommé des personnes dans les services centraux pour ça, et je vais revenir là-dessus tout à l'heure. On a une volonté politique très forte, et je, il y avait un slide ce matin où c'était écrit qu'il fallait une, vraiment une volonté forte, et on l'a vraiment. On a le support de la bibliothèque universitaire qui était précurseur, je le rappelle encore, à l'époque. On a des années d'expérience avec notre serveur. On a un serveur institutionnel qui fonctionne. Donc on va capitaliser là-dessus. On a un développeur qui, 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 qui est expert en Fedora, qui est le, le langage utilisé et qui permet les améliorations dans serval par rapport à la demande des chercheurs. Et puis on vient d'engager au 1er septembre une collaboratrice, Michaela Crespo, qui est, qui est ici et que vous avez vue ce matin et qu'on a engagé spécifiquement pour la promotion de l'open access. Et puis, évidemment, une de nos forces, c'est la multitude de disciplines qu'on a à l'Université de Lausanne, mais ça, c'est une force qu'a toute université d'une certaine taille. Les faiblesses, il y en a... Alors, actuellement, actuel, il y a un manque d'informations sur l'open access. Si vous m'aviez demandé il y a une année ce que c'est gold et green, je n'en savais rien du tout. Et ça ne fait que, que 15 mois. Hein. Il manque une directive, on n'en a pas. C'est peut-être ça aussi qui n'a pas vraiment favorisé euh, le démarrage de Serval et de l'Open Access à l'Université de Lausanne. Il n'y a, a pas de directive, il n'y a pas d'incitatif fort. Donc le, le dépôt de texte est relativement bas, mais la bonne nouvelle, la force, c'est qu'il y a une marge de progression, donc on devrait pouvoir faire progresser les statistiques. Euh, on ne sait pas qui paye des APC dans les facultés, et les instituts, et les départements. On n'a aucune idée. Souvent, c'est les fonds propres des chercheurs, sinon les fonds des instituts ou des départements. On n'a aucune idée des coûts super, supplémentaires. C'est le double dipping. Hein. On paye de manière centrale les abonnements à toutes ces revues. Et en plus... Euh, on paye des APC pour euh, soit les mêmes revues, parfois, euh, les mêmes éditeurs, en tout cas, soit pour d'autres éditeurs, euh, à raison de 2000 ou plus de 2000 francs par, euh, par euh, article. Et on ne sait pas comment ça nous coûte à l'heure actuelle. Et je pense qu'il est urgent, ça je parle pour moi, euh, qu'on ait un outil de suivi de ces coûts. Et puis, euh, la multidisciplinarité, c'est une force, mais c'est aussi, disons, un frein à, à l'avancement parce qu'on va devoir vraiment tenir compte et puis faire du surmesure par discipline. Voilà, donc je, je, je lui en ai parlé d'elle, Michaela Crespo. Donc, quelques mots sur, sur elle, en fait. Elle a un parcours académique en, en chimie qu'elle a obtenu à l'Université de Barcelone, puis elle a fait une thèse à l'EPFL, donc elle connaît bien l'environnement euh, lausannois. Puis elle a fait un Marie Curie à l'Université de Cambridge. Euh, ce qui représente une dizaine d'années d'activités de, de recherche. Puis ces autres activités sont intéressantes, puis ce sont ces activités-là qui nous ont, euh, disons, intéressés à la recruter. Elle a fait un certificat euh, postgrad en gestion de projet. Et puis elle est présidente du groupe de travail de politique scientifique euh, à la Marie Curie Alumni Association. Donc elle s'intéresse vraiment à la valorisation de la recherche à tous les niveaux. Donc on a recruté quelqu'un. D'assez idéales pour euh, nos projets ambitieux. Alors, opportunités et menaces, vues de l'extérieur cette fois-ci. Alors, les opportunités, c'est de collaborer à l'international pour le développement de, de notre stratégie open access c'est ce qu'on fait aujourd'hui notamment. Euh, en fait, on peut tirer parti d'un certain retard qu'on a par rapport à la politique d'open access, puisque d'autres ont testé. On fait des essais, des essais-erreurs, donc on va pouvoir en bénéficier. Euh, on tombe bien par rapport à la politique nationale également de Swiss Universities. Et puis on est aussi euh, partie prenante dans les négociations à l'échelon national avec les grands éditeurs, bien que je ne sois pas extrêmement optimiste à cet égard, personnellement. Quelques menaces quand même. Eh bien, euh, mais ça a été exprimé ce matin. On a, ça a été dit ici. On a parfois l'impression qu'on est plutôt orienté maths, informatique, ingénierie, les MINT, euh, au niveau des initiatives open access, peut-être parce que c'est plus facile, peut-être que parce que le formatage des publications est plus homogène, peut-être parce qu'aussi euh, euh, le type de support est plus, est plus, plus homogène également, mais c'est quelque chose, euh, une chose à laquelle il faut faire très très attention. Et puis, on doit faire attention justement à l'augmentation, garder un oeil sur l'augmentation des coûts euh, des APC qui nous échappent largement, jusqu'à ce que les doyens des, des facultés viennent nous demander des augmentations de budget, ce qui pourrait arriver assez rapidement. Et puis, euh, on a un problème aussi que, potentiel que les différentes universités partent chacune de leur côté, malgré, disons, la feuille de route de Swiss Universities. Donc, il faut y faire attention. Il y a certains éditeurs qui ne jouent pas le jeu, ben ça, on le sait déjà. Mais soit il, il faudrait avoir une force suffisante pour aller vers ces éditeurs en disant, ben voilà, l'Université de Lausanne impose à ses chercheurs si et ça, ils vont plus pouvoir venir vers vous, mesdames et messieurs les éditeurs, ou si on peut le dire à l'échelon national, c'est peut-être aussi une manière de les assouplir euh, et puis de les gagner à la cause de l'open access, notamment les petits éditeurs régionaux, et M. Rentier l'a pas vraiment dit ce matin, mais il me l'avait dit en aparté, les principaux bénéficiaires. De Orbi en Belgique, c'était un, ceux qui publient en français, qui ont une reconnaissance mondiale, et deux, les éditeurs locaux qui impriment notamment en français, mais pas que, et qui ont vu euh, leur vente augmenter parce que le fait d'avoir une ou l'autre de leurs publications en open access fait que les lecteurs vont voir leur catalogue général et achètent d'autres publications. Donc, c'est des arguments qu'on peut faire valoir à l'échelon national. Et puis, euh, cette réticence-là, ben justement, je pense qu'on a de bons arguments pour leur montrer qu'en fait, c'est une peur qui n'est pas justifiée. Plan d'action, vous avez les, ici le calendrier en haut. Ça, c'est déjà passé. Septembre, octobre, voilà, on est déjà là. Consultation interne, Michaela Crespo l'a fait très activement, interne à l'UNIL, mais aussi intercotonale et fédérale. Et puis, nous allons faire un sondage. Ce sondage, il démarre... Maintenant, mesdames et messieurs, c'est l'appel du 1er décembre 2017. On ouvre maintenant un sondage auprès des chercheurs et ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. On veut que ça vienne de la base, on veut que les chercheurs s'expriment, expriment leurs besoins, leurs doutes éventuellement et c'est sur cette base-là de sondage qu'on va construire notre politique. Et donc, suite au sondage qui se fermera mi-janvier, on fera l'analyse des besoins en fonction des retours. Donc, ceux qui ne répondent pas, ben, on tiendra pas compte de leurs besoins. Si vous pouvez relayer ça auprès des chercheurs. Parce qu'on a 3 quatre 4 000 chercheurs à l'Université de l'Anne, ils ne sont pas tous dans la salle. Donc, euh, s'ils ne répondent pas, on tiendra pas compte de leur avis. Et si un chercheur compte sur les copains de la faculté d'à côté, ça va pas marcher parce que c'est disciplinaire l'approche. Et donc, si vous comptez euh, sur SSP pour euh, répondre à la place de la faculté des lettres ou de la faculté des FBM, ça ne va pas marcher, on n'aura pas le bon retour. Donc, on va faire l'analyse des besoins en fonction des retours. Campagne de sensibilisation, ça a été dit ce matin, euh, il va falloir faire euh, vraiment du matraquage, comme on dit, on va devoir informer, réinformer, encore informer, jusqu'à peut-être euh, la nausée, je ne sais pas. Peut-être que chaque fois qu'on me verra, on dira, ah oui, l'open access. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais c'est peut-être le but à atteindre, finalement. On va, en parallèle, mettre à jour Serval en fonction des besoins exprimés, parce qu'une ou deux questions auront trait au serveur actuel, ce que les fonctionnalités que les gens voudraient voir ajoutées, par exemple. Et puis, on va mettre en place un réseau de soutien, parce que finalement, c'est ça qu'on veut. Et puis, on va finir par établir une directive dont le contenu n'est pas connu. Est-ce qu'on va être aussi ferme à Liège en disant bah ben, c'est comme ça et puis pas autrement. Je ne le sais pas à l'heure actuelle, ça sera une question de, de, de feeling un peu politique interne. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas être très ferme et très directif si l'outil correspondant n'est pas parfaitement au point. On ne pourra pas dire aux chercheurs c'est comme ça et pas autrement. S'ils si n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont besoin de faire, ou ils n'ont pas les retours sur investissement qu'on a vu ce matin en termes de visibilité instantanée dans les réseaux internationaux, on aura besoin de l'outil pour pouvoir avancer au niveau de la directive. Mais on fera une directive. Voilà, donc, euh, en termes de consultation interne, puisque c'est une des étapes qu'on a mentionnées, il faut identifier évidemment tous les partenaires. Euh, qui ne sont pas seulement les chercheurs, mais qui incluent euh, tous les, tout, les chercheurs de toutes les disciplines, en tout cas. Euh, on va sélectionner des groupes de personnes pour ensuite euh, aller encore un peu plus affiner l'outil, en fait. Que cette consultation, elle va se faire tout au long du processus, véritablement. Et puis, c'est comme ça, je pense, qu'on pourra essayer de répondre de manière euh, multiple aux différents besoins. Le sondage est là. Euh, vous allez découvrir le lien juste après. Donc, il est online maintenant. Euh, C'est un, un sondage qui demande un petit peu de temps parce qu'on avait le choix entre deux options. Soit on fait un sondage d'une heure et puis on perd tout le monde. Soit on fait un sondage de trois minutes parce qu'il y a dix questions et puis on n'a rien. On n'a pas de Donc, on a choisi évidemment un, un moyen terme. Je crois qu'il y a une quarantaine de questions, quelque chose comme ça. Et puis, euh, donc, vous voyez la progression. Donc, courage. Essayez d'aller jusqu'au bout. Et puis, euh, ben bah, voilà voilà les liens en français, en anglais. On n'a pas envie de perdre une, euh, une catégorie de personnes. Donc, il est ouvert depuis maintenant jusqu'au 12 janvier. Il faut une 15 à 25 minutes pour le remplir. Euh, et puis, encore une fois, hein, on veut un avis disciplinaire. Donc, remplissez-le. Et puis, évidemment, il y, y a une petite récompense. Alors, on va tirer au sort un prix. Alors, ce n'est pas un week-end de ski à Verbier, désolé, ni des vacances au Bahamas, soit un peu plus terre-à-terre, euh, voilà, terre, mais c'est en lien avec l'open access. Donc, voilà, vous, vous n'aurez plus qu'à créer, une, faire une publication, la rédiger, puis profiter de ce prix pour, la, pour exemple, la publier au Gold, par exemple. Voilà, ou bien pour aller à une conférence sur l'open access, et maintenant, il y en a régulièrement en Europe, vous avez vu tout l'intérêt euh, euh, politique qu'il y a. Et euh, donc, profitez, vous allez peut-être être, être euh, la gagnante ou le gagnant. Alors, on va faire l'analyse des besoins, vous l'avez vu aussi dans, le, dans notre tableau, euh, dans notre stratégie. Donc, analyser les résultats, déterminer quels sont les problèmes et, et quelles solutions on pourrait apporter pour les résoudre. On ne pourra peut-être pas tous les résoudre. Hein. Je pense à des collègues de la faculté de droit, ça ne va pas être simple, je sais déjà. Euh, Analyser les forces et les faiblesses en matière d'open access, voir ce qui se fait ailleurs, dans d'autres universités, et je sais très bien où on va aller prochainement, en Belgique, euh, et puis euh, avec toujours le but, l'idée d'arriver à un 100% d'open access, ou en tout cas de dépôt institutionnel du, du texte complet. Et puis. Euh, on fera un état des lieux de l'open access pour savoir avoir un point de zéro, un point de départ, pour ensuite faire ces merveilleux graphiques qu'on espère aussi, euh, aussi prometteurs que ceux qu'on a vus ce matin, et préparer un plan d'intervention. On va faire euh, une communication lourde, je pense, et, et, et significative pour sensibiliser tous les chercheurs envers l'open access. Il faut qu'ils réalisent finalement que c'est... D'abord et avant tout, pour leurs bénéfices immédiats. Vous l'avez vu ce matin, les taux de réactivité euh, au niveau de la visibilité mondiale sont absolument extraordinaires. Ils font peur aussi. Hein. C'est-à-dire que si on n'adhère pas aux standards Google, on n'est pas très visible. On peut en discuter après. Toujours est dit que ça existe. Et puis, d'autres chercheurs dans d'autres universités du monde ben, ont accès à ces outils-là. Donc, autant prendre le train avec eux. Euh, donc, on, on, on va vraiment... On va vraiment insister sur ces différents points, notamment les deux derniers, euh, réfuter les idées fausses liées notamment au copyright, à certaines difficultés qu'on entend encore. Et je ne sais pas si c'est en matière d'excuses pour ne pas faire le travail, ou si c'est réellement les choses que les gens pensent fondamentalement. Mais il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent. Et puis aussi... Euh, Démystifier le fait que l'open access il est plutôt destiné aux sciences dures, euh, comme certains les appellent, aux sciences naturelles, euh, qu'en sciences humaines et sociales. Je pense qu'il y a un énorme potentiel en sciences humaines et sociales dans une, une archive institutionnelle où on peut tout mettre. Vous pouvez mettre des vidéos, des enregistrements. C'est bien plus riche que ce que vous pouvez mettre simplement dans une revue papier, évidemment. Donc tout ça pour préparer le terrain pour l'introduction de la directive et euh, présenter au fin, à la fin de l'année, finalement, la vision du Nil sur l'open access. J'ai parlé avec M. Axel Marion de Swiss Universities. Les recommandations de Swiss Universities et les directives générales, je dirais nationales, seront à notre disposition avant que nous-mêmes rédigions la directive dans la deuxième partie de 2018. Donc on pourra s'en inspirer et puis pas partir euh, simplement d'une autre direction qui sera recommandée par la Confédération. Voilà, donc, euh, mise à jour de Serval. Alors, ça, on espère que ça peut marcher, on verra. Hein. Ce qu'on aimerait, c'est que ça se passe très facilement. C'est-à-dire qu'on puisse le faire en trois minutes, comme, euh, comme à Liège. C'est donc le principe du one-click submission. On, on fait un truc, puis ça, ça, ça se passe, en fait. On aimerait, que, on a pour, on aimerait pouvoir euh, faciliter l'importation des notices et les textes intégraux, puisqu'on n'a qu'un 13%, en fait. Euh, on envisage de créer une équipe de validation, mais après ce que j'ai entendu ce matin, je suis plus tout à fait sûr, parce que nos collègues belges ont insisté fortement sur le fait que c'est une très mauvaise idée que de déresponsabiliser le chercheur en aval en disant bah, de toute façon, t'inquiète pas, on contrôle, puis on est sûr que ça soit bien comme ça." Et la personne qui m'a dit ça, c'est un bibliothécaire. Hein. <laughs> je suis bibliothécaire. Je vous recommande vraiment de ne pas. Faire de validation en aval de ce que rentrent les chercheurs. Finalement, ils sont responsables de ce qu'ils font faux. Et puis, si finalement un éditeur se retourne vers eux parce qu'ils ont mis quelque chose qu'ils n'ont pas le droit de mettre, ils vont être bien plus bienveillants, si j'ose dire, que si c'est l'institution qui prend sur elle d'avoir laissé passer un papier via ses vérificateurs, ses validateurs. C'est quelque chose qui reste ouvert. Parce qu'il faut un certain degré de contrôle ou de, de nettoyage. C'est quelque chose qu'on pourra avoir. On veut surtout des statistiques d'usage pour chaque note. Il faut que chaque chercheur, le matin en venant, il dise Bon, alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit euh, Je ne sais pas, ça peut être très, très motivant. Ça s'inscrit dans, dans la dynamique des différents réseaux sociaux. C'est de, de voir instantanément euh, quel est le fruit euh, d'une bonne publication, d'une bonne publicité d'une publication. Il faut pouvoir mettre ça en relation avec une page personnelle et puis évidemment pouvoir euh, avoir cette même fonctionnalité qu'on qu a avec Orbi, c'est-à-dire pouvoir simplement demander facilement une copie. Soit à titre personnel, ça revient à envoyer un tiré à part et si c'est ouvert, bah, pouvoir l'obtenir directement. Et je pense que ces fonctionnalités sont essentielles si on veut gagner la communauté des chercheurs à, à notre cause. Pourquoi Parce que les exposés de ce matin, on va les utiliser comme publicité. Si on montre ce qui se fait à Liège à nos chercheurs, et puis que cet automne, on n'y arrive pas, ou l'année suivante, on peut avoir un problème, ou non-adhésion. Voilà. Donc, ensuite, on va, on va créer vraiment un, un service de soutien. On va être incitatif, mais surtout, on va soutenir les chercheurs. Donc, on va faire un site web, un portail web sur l'open access, on va bientôt le commencer. On va mettre des FAQ, des réponses simples, en fait, créer des workshops. On va introduire des cours dans les écoles doctorales parce qu'il faut commencer à sensibiliser les chercheurs dès le début, en fait. On peut organiser des webinars par rapport à certaines thématiques, le droit sur les images, par exemple, les sciences humaines. Comment est-ce qu'on peut passer ou obtenir le copyright pour réutiliser une image, par exemple, des choses comme ça eh bien, On peut organiser des séances spécifiques, en fait. On va chercher des champions pour reprendre la thématique qui était proposée hier après-midi, des gens qui sont convaincus, si possible, des gens qui ont une reconnaissance dans leur département, dans leur institut qui sont convaincus, puis qui eux-mêmes se fassent le relais de la promotion de l'open access. Et puis, euh, on va essayer d'intervenir de, de dans la mesure du possible dans les négociations avec les maisons d'édition, en particulier les petits éditeurs. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup à faire, et je pense que c'est pour le bénéfice de tout le monde, il faut simplement que les éditeurs le, le réalisent, en prennent conscience. Je pense qu'il y a vraiment un, un travail à faire en commun. La directive, puisqu'on veut en faire une, eh bien, dont l'idée, c'est de rendre le dépôt obligatoire, sauf exception, il y a toujours des exceptions, obligation qui est en place à Genève depuis, depuis des années, hein, par exemple. Euh, on, on parlera de quel type de documents sont concernés, qu'est-ce qui est aussi possible de mettre sur, euh, sur le serveur, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre les travaux euh, accessibles le type de version à déposer, le timing du dépôt, les, 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 histoires de, enfin les questions d'embargo de, et choses comme ça. Et puis, on va évidemment encourager les, euh, les dépôts, par exemple, en montrant quels peuvent être les résultats à très très court terme de visibilité internationale. Donc, voilà, c'est l'appel du 1er décembre, encore une fois. Remplissez son âge, je vais le faire d'ici ce week-end. Euh, et faites-le remplir surtout. Et là, je compte sur les correspondants de recherche qui seraient ici, des facultés. Dites aux chercheurs qui, que, que leur voix compte, en fait, leur avis compte, parce qu'il ne sera pas le même que l'avis d'autres collègues, et spécifiquement d'autres facultés. Je crois que c'est le dernier diapo. Voilà, merci de votre attention.